Eric le retour, l'enfant. Business protocol. Alors qu'ils savent qu'ils veulent sortir du jour. Ils savaient que tu étais en prison. Maintenant, on me libère, je vois comment tu es dépassé. Même tu fais la bise à la joue. Moi, je suis ton cousin. Je suis ton cousin, pourquoi tu me fais la bise à la joue? Et ce n'est pas tout. Quand toi, tu manges, tu ordonnes tout, tu positionnes les assiettes, tu couvres les uns sur les autres. Alors qu'une personne qui vit seule normalement doit seulement, simplement se servir. Pourquoi tu le protocole si? De toute façon, ce que je vais te dire, c'est que je suis sorti. Et comme je suis là, tu dois me vidanger correctement, normalement, confortablement, bien. Parce que là, je suis là, non. Je suis plein. Et je ne sais même pas pourquoi ça confond ça, on ne connaît pas la confiance. Tu sais qu'en 6 ans, les choses ont changé. Ce n'est plus la même chose. Dis-moi. Cathy! Retour, tu es de retour. Je suis sorti de prison. Tu es sorti de prison? Oui, on m'a libéré pour bonne conduite. Mais attends, moi j'ai un souci. Attends. On t'a libéré pour bonne conduite? Ah oui. Lauricelle est malade ou quoi? Attends. Tu ne sais pas que les hommes changent. Là où tu m'envoies, j'ai changé. Il y a un costaud.
Cathy, j'ai un sérieux souci. Comment en 6 ans, tu m'as vu visiter rien que les 3 premiers mois, connaissant comment toi et moi on était amis? Pourquoi tu as le cœur noir comme ça? Mais le retour, dans vos prisons, il n'y a pas les radios. Qui a payé? On m'a nommé, j'étais occupé. Et c'est pour t'oublier. D'ailleurs, souviens-toi que j'ai appelé le régisseur personnellement pour qu'on te libère. L'amitié n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Vraiment, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Et en passant, tu es venu faire quoi ici? Par hasard, je passais, j'ai écouté ta voix. Je me disais que tu avais un autre regard, peut-être. Tu sais que les femmes peuvent faire qu'un gars te blague par la voix. Tu vois un peu? J'ai suggéré ça. Quand je viens, je te couvre, mais je suis heureux. Bienvenue, le retour. Ok. En tout cas, je vois elle s'est préparée parce que je suis vraiment très très content. Attends, Yann, ta nourriture préférée, ce n'était pas le bar dans une bonne sauce tomate comme si c'était avec le riz. Tu te trompes. Ma nourriture préférée, c'est les pommes pilées avec des pommes et du haricot. Yann, on consort. Oui. 6 ans de prison, ce n'est pas 60 ans. Hein. Ce n'est pas toi qui m'apprends que non. La sauce tomate, le bar dans un bon riz comme celui-ci, c'est la magie. Ce n'est pas toi. Cathy, tu sais ce qu'il y a qui est normal? Je te dis que ma nourriture préférée, c'est les pommes pilées avec des pommes et du haricot. Hey! Attends, mais je crois que vous voulez jouer. Cathy, tu es sûr que tu as préparé une nourriture pour moi? Oui, j'ai préparé ça pour toi. Parce que là maintenant, il y a mon cerveau qui est en train de chanter l'hymne national. Que, curieusement, en 6 ans, vous deux là, toi tu m'as rendu visite les 3 premiers mois et rien que 3 fois. C'est vrai. Toi le même. Oui. Curieusement, on me libère par hasard. Toi aussi tu passes par hasard. Au moment où on a préparé le riz avec la sauce tomate, avec le bar bien positionné sur les plats bien lavés, bien couverts, comme si le président de la République va venir manger. Yann, là où tu me vois là, tu m'ignores. Je n'ai pas changé. Oh. Cathy, oui. Quand on a fabriqué ton cercueil, tu m'as vu. Yann, on consort. Quand on a creusé ta tombe, j'étais témoin ou j'étais présent. En tout cas, je mange d'abord. Parce que faut pas que mon cerveau se passe ici. Non, vraiment. Non, vous avez le cœur noir. Vous devez avoir le cœur noir. Le cœur noir. Vrai. Votre cœur est noir. Une bonne nourriture. Moi, je mange des pommes qui lavent à l'époque. Non, c'est bon. Mange plus. Ne mange plus la sauce de tomate, ça va. Y'a un coup ça. Le retour. La dernière fois que tu as mangé le riz avec la sauce de tomate, il y a le bar, c'est quand? Elle est là 6 ans, chez ma mère. Tu te souviens, non? La femme d'à côté là. Elle est là 6 ans, hein? T'inquiète pas. Tu ne mangeras plus jamais ça. On est retour, je vais te laisser. J'ai dû nommer. Donc je vais. Je vais te rendre visite plus tard. Y'a le quoi ça? Tu connais ce qui va se passer tout à l'heure? Je connais. Maintenant, si tu pars, je ne peux pas me limiter à ce qui va se passer tout à l'heure. Je vais te tuer. Mais si tu t'assois, je vais seulement faire ça. Cathy, tu connais ce qui va se passer, non? Ne bouge plus, tu vois, tellement. On t'a nommé. Pas nommé. Non, c'est quand les gens partent en prison qu'on vous nomme sur leur femme. Mon beau chéri. Et qui est? Mais attends, comment tu m'as pas dit que mon beau venait aujourd'hui? Est-ce que tu m'as gardé beaucoup les archives dans mon beau? Et qui? Je suis sorti de prison, c'est encore notre beau là-bas. Mais sinon, comment je voulais pour y aller pour un beau? C'est pour moi, t'as quoi? Mon petit. Mon beau chien. Quand tu dis que c'est ton beau? Toi, c'est qui? C'est mon cousin. Je l'ai sorti. Ça va que les gars, je suis là. Et
Ouais, tout à l'heure ici là. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Qu'il est ici? Non, maintenant. 4 ans. Vas-y. Tu dis que c'est qui ici? C'est mon beau chéri. C'est lui qui veut épouser ma soeur. Mon beau, il est après la liste. Toi, j'ai mis la moto sur la liste de ma soeur. Il t'a dit que tu es le meilleur beau qu'il faut pour ma soeur. Personne n'a dit. Mais sinon, ton beau, c'est arrivé de donner à ma soeur qui me souvient. Eh, hey, mon temps, t'as pas mérité à ma soeur. Bon, qui est devant moi? Qui est devant moi? Dans le ressort. Dans le ressort. C'est quoi? Ne me complique pas la tâche. Non, ne couche pas là-bas ici. Couche-toi ici. Je n'ai pas que ça à faire. Cathy, couche-toi à côté de ton mari. Couche-toi! Couche-toi à côté de lui. Couchez-vous à deux. Je n'aime pas que ça fait. Couche-toi à côté de lui. Comme vous êtes là. Quand les autres vont en prison. Couche! Quand les autres vont en prison, c'est là où on vous nomme sur la femme. Eric le retour, l'enfant. This is Rotakilo.